Bon, j'espère que le yaourt a bien pris, hein. Je suis pas sûr. Bon, je vais mettre au frigo, j'ouvrirai à midi, mais en tout cas, ça c'est fermé, donc bon. On verra à midi. Et pour ce matin, bah, reparti pour des pancakes avec des pois chiches. Il y en a qui s'est barré. Je veux pas perdre un pois chiche. Hein. Mettre quelques flocons d'avoine. Et un petit peu de farine quand même. J'ai peur qu'elle tienne pas trop. On va y aller sur la banane. Mais il n'y a plus qu'à mixer tout ça. On va voir si ça tient. Oula, j'ai des doutes sur la pancakeabilisation. Sur le fait qu'on puisse le pancakeiser. Bon, ça tient pas super bien, j'ai un peu foiré le truc. Mais c'est pas grave, on va se reprendre. Je vais faire au four. Donc dans un moule huilé, je vais mettre tout ça. Hein. Allez, quelques petits morceaux de banane. Ça, je vais pouvoir faire autre chose en attendant parce que sinon, j'aurais peut-être pas le temps. Déjà que j'aurais pas forcément le temps de déjeuner ça. Allez, on va mettre ça au four. Voici la première crêpe. Ça se tient pas, mais c'est pas mauvais. Déjà, par rapport à avant-hier, j'ai réussi à améliorer un petit peu le cadre. Il suffit juste que je mette le téléphone dans l'autre sens. Bref, j'ai pas eu le temps de manger le gâteau au pois chiche, qui devait être des pancakes. C'était pas cuit. Donc j'ai mangé un bout de pain qui me restait d'hier, un morceau de chacun des gâteaux que j'avais testé, une banane, un verre d'eau et quelques pois chiches comme ça. Ok, ça fait pas forcément super envie, mais ça va, hein. Il y a pire comme repas. Et bon, pour l'instant, j'ai pas faim, sachant que j'ai que 2 heures de surveillance, donc je pourrais rentrer à 11h large, je serai à la maison, donc je pourrais prendre un peu de ce gâteau et commencer à préparer le repas de midi. D'habitude, je me débrouille pour arriver au lycée à 7h30, mais là, vu qu'on est convoqué à 7h30, je me débrouille pour arriver au lycée à 7h15. Et ça va être une belle journée. Il avait bien gonflé, non, je suis de retour chez moi, il avait bien gonflé mais là il est un petit peu retombé. C'est pas pour autant qu'on va pas le goûter parce qu'il doit être très très bon. Ah, je coupe directement dans le moule. Oui, ça va, je vais pas jusqu'au bout. Ça a l'air assez jiggly. Allez, test de rebond, pas mal. Aujourd'hui, oignon. Voilà, parce que c'est un légume qu'on trouve toute l'année, relativement pas cher. Là je l'ai eu à 50 centimes le kilo. Allez trouver des légumes à 50 centimes du kilo toute l'année. Et ben, il n'y en a pas tant que ça. Donc là, ce que j'avais envie de faire, c'est des beignets à l'oignon. Mais vu qu'ils sont un peu petits, je vais pas faire une seule grosse rondelle. Je pense séparer un peu tout. Et là, il y aurait moyen de faire des beignets. Donc j'ai pas de plan cet après-midi. J'ai pas de surveillance, j'ai pas de truc. Donc les oignons, je peux y aller. Je sais pas si je vous ai dit, hein, mais je suis en vacances là. Et au moment de la vidéo, ça fait déjà une semaine. Je voudrais pas faire d'autres trucs, mais d'ici à ce que je parte le 8 juillet en Nouvelle-Calédonie, il y a moyen que je fasse. Donc cette série et après encore 3-4 vidéos. En 2 semaines, c'est pas mal. Hein. Là pour faire la pâte, je vais mettre un œuf et de l'eau. Voilà. Donc j'ai pris les oignons, je les ai mis dans la pâte. Et on va essayer de faire cuire ça à feu pas trop fort. Là, ça a l'air de faire des morceaux qui tiennent. Bon, ça cuit tranquillement. Voilà, c'est pas trop compliqué à cuire. Manier les baguettes, c'est pas mal. Pour les prendre, pour les déposer. Et pour pas trop se salir les mains. Donc évidemment, à la fin, avec le reste de pâte, je fais des gros blobs. Parce que j'ai la flemme de faire pièce par pièce. Midi, je mange rond et gras. Enfin, on pourrait séparer l'assiette en deux. Et avec ça, un petit peu de pain et de gâteau à la banane. J'ai commencé à manger ça, mais c'est super bon. Franchement, oignon, tomate, ça fait froid, chaud, un peu léger, mais pas trop. Le tout passe super bien ensemble. Je crois que je vais m'en reprendre un petit peu d'ici. Bonne découverte, ça. À midi, on a fait oignon et tomate, et ce soir, on va faire oignon et tomate. J'aurais pu varier, mais je trouvais ça drôle de faire comme ça, les mêmes ingrédients de deux façons différentes le même jour. Il y a quand même beaucoup d'eau dans ces tomates, pas trop chères. Hein. Je sais pas encore trop ce que je vais faire. Hein.
comme souvent. Et je vais y mettre des pois chiches, ceux qui me restaient d'hier, d'avant-hier, avec un petit peu de brocoli. Je vais pas mettre trop d'huile parce que dans le repas de midi, je pense qu'il y avait assez d'huile. La préparation, un houmous très vite fait, pas très bien pilé, pour avoir encore des morceaux et aussi que c'est plus rapide. Donc voici les tomates farcies avec des oignons que je vais essayer de faire confire pour éventuellement utiliser une autre recette. Et les autres morceaux d'oignons là, je vais les garder pour d'autres préparations, comme ça déjà plus ou moins prédécoupé. Ok Google, allume la télé. Ok Google, lance YouTube. Il faut également que je sache quel appareil utiliser. Veuillez répéter votre commande en indiquant le nom de l'appareil. Ok Google, lance YouTube sur la télé. For exercise or group, you always need to start off with a little warm up. So focus on a nice slow range of motion first. As you buy as you can, pause the bottom, reverse it to the end. Ouais, je pourrais prendre plus de poids, mais bon. Ah, là c'est fini. Ok Google, éteins la télé. Voilà, bah une petite douche quand même. Non, je vais d'abord manger un petit peu de gâteau au pois chiche. Et donc voilà mon repas de ce soir. Voilà, je prends aussi quelques petits oignons, j'ai pas mangé assez d'oignons aujourd'hui. Des petits oignons frits. Je suis pas sûr que le grand angle ce soit le plus mieux pour moi. Mais bon, en plus, là j'ai tout abandonné. Peut-être parce que c'est les vacances. Ici, la farce. Ça a le goût qu'on imagine que ça a. Je dis ça souvent, mais là c'est le cas. Mais surtout là, c'est pour la tomate qu'on est là. Attention, je fais ça genre ça va être le plat révolutionnaire. Manger un plat chaud. Prends une steak. Ok Google, quelle est la température dehors? À Grenoble, il fait en ce moment 30 degrés. 30 degrés dehors. Et je mange des tomates farcies chaudes, je crois que je vais les manger froides. Rien de révolutionnaire, mais c'est bon. Encore tomate oignon, je n'aurais pas du tout faire le même jour. Mais aujourd'hui, la grosse nouvelle, c'est que je suis en vacances, que le défi s'annonce, continue à se lancer bien. Donc là, j'ai quasiment fini tous mes pois chiches. Donc ça, c'est fini. J'ai fait cuire les haricots rouges. Je les cuisinerai demain ou après-demain, je ne sais pas. Je crois que je les ai fait cuire un peu tôt. Demain soir, je ne suis pas chez moi, c'est le repas de la semaine où je ne suis pas là, donc il faudra que je refasse un deuxième plat, deuxième repas, en plus pour faire vraiment les 21 repas. Bon courage à tous ceux qui travaillent, et moi je vous dis à très bientôt. Et donc voici comment transformer 2 euros en plusieurs kilos de fruits et légumes.